yarık ile aksik. Midera no mi mankala sano man mi funar çano isahay anjuman çara isana kahfana imasın. Anjuman çapa murna spana fçar pana masna ne. Fan mi fam rapu no ma gaga. Dena vila no na çatı zo anjuman mi vizau. Hankala si dera no. Ari matiar mi su anato no tam mi fiyanguna no. Kam sota no mi zo fayeni kultona mi fiyanguna no efe ma iso. Ieni fitopa soavana tokoa izao fitona iresahanao amin'ny fiangonanao ary anotsahanao amin'ny fitahiana rehetra amin'ny alalan'ny teninao. Ankehitriny ary raha hiaino anao izahay tompo dia asokafo ny masom-panahinay mba hitanay anao ary sokafo koa ny fonay ahafahanay mandray anao Jesosy. Seigneur notre Dieu, Père, Fils, Esprit Saint, nous voulons te louer, nous te bénissons pour ta miséricorde qui durera toujours et que tu as utilisé, que tu as fait œuvrer en nous pour que nous puissions te célébrer en ce 60e anniversaire de ton Église, FPMA. Oui Seigneur, c'est toi qui l'as voulu et en ce jour, nous voulons encore recevoir de toi toutes les bénédictions à travers la parole que tu nous donnes. Merci. Parle au Seigneur notre Dieu. Nous t'écoutons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amti fakalazatsika ni zobili fa impultona ni FPMA itidia irote ni reo ni om Marka, ni om Isaia, ari ni om Roman na miyampi ni epistile n'zakoba. Ka restitio iti filazantzara ni Marka iti. Oui, Tsovily no ankalazaina dia ity resaka fifanakalozana ataon'ity olona iray ity amin'i Jesosy no anjarantsika. Mety mahagaga ihany satria rehefa dinihana ty ampahan'ny filazantsara ity dia tahaka ny hoe antso tsy tonga hatramin'ny farany. Nous avons donc pour célébrer le 60e anniversaire de la FPMA cet évangile de Luc. Oui, cet évangile de Luc, si on veut bien jeter un œil dessus, nous pencher dessus, eh bien ça nous parle d'une vocation ratée. Qu'est-ce que le Seigneur a à nous dire à travers cette vocation ratée? Oui, peut-être que quand vous lisez cela, vous ne voyez pas cette vocation, mais il s'agit de cela. Tout part d'une question posée par un anonyme. C'est le point de départ du récit de Marc. Et la question, c'est une question classique du temps de Jésus. Tout juif se pose cette question, mais je dirais aussi que c'est la question classique de tout croyant. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec cette déchristianisation, ça n'est vraiment pas le souci des gens de savoir où est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qui va arriver. Mais si tu es croyant, c'est la question classique que tu te poses. Maintenant, c'est à savoir, est-ce que tu viens à l'église comme ça ou est-ce que tu es vraiment croyant? Fankehitriny dia ho an'ny olona mihiny dia io ny fantaniana mipetraka. Izay no azo lazaina hoe io no iaingana. Raha tsy nisy fotoana nametrahanao izany fantaniana izany dia tokony antanyteny, tokony hiverina amin'i Jesosy no laza hoe fa inona tokoa ny antony ipetrahako amin'ity tany ity? Inona ny antony namoronanao ary andeha ho aiza?
ka izay inona ny tokony ataoko andovako ny fiainana mandrakizay. Resaka fiainana mandrakizay. Ary ity baiboly ity dia resaka ity fanomezana fiainana mandrakizay ihany. Zay ny famonjena dia miaraka amin'ny fiainana mandrakizay. Tamin'ny fampianarantsika eto amin'ny faritany dia nisy amin'izay anatiny inona marina izany fiainana mandrakizay. Ary miainga amin'ny fanontaniana io lehilahy io dia ao anatin'ilay fanontanianailay lehilahy dia milaza izy hoe mpampianatra tsara o, dia milaza Jesosy aloha tsy misy tsara fa tsy Andriamanitra. Voalohany indrindra ataon'i Jesosy mametraka an'Andriamanitra ao ampovoany amin'ny toerana tokony ho izy. Tahaka miteny Jesosy hoe tsy izaho fa Andriamanitra no jereo. Anefany izy dia zanak'Andriamanitra. Izay antsika dia efa manana fampianarana amin'ny fiainantsika andavanandro, amin'ny fiainam-piangonantsika, ao amin'ny culte ataontsika, amin'ny fanompoam-pivavahana ataontsika. Iza no votoatin'ny fanompoam-pivavahana? Iza no manana anjara toerana amin'ny fanompoam-pivavahana? Iza fanompoam-pivavahana anao ve sa fanompoam-pivavahana Andriamanitra? Tsy misy tsara fa tsy Andriamanitra. Tahaka ny teny Jesosy milaza hoe Andriamanitra no jereo. Dia miainga avy eo, miainga amin'io ny fampianarana. Ary Andriamanitra no tsara indrindra, izy rery no tsara, ka noho ny famindrapony sy noho ny fahasoavany dia nanome ny didy. Azadiny fa ny contexte dia amin'ny Jiosy. Tian'Andriamanitra daholo ny firenena rehetra, nefa ny ity firenena ity dia voafidiny, ka noho ny fitiavany nanomezana amin'ireo didy ireo. Ny teny folo fitiavan'Andriamanitra, fanehoana hoe manao fanekena amin'io firenena io. Tsy afaka miala amin'ny fanekena isika satria io no votoatin'ny finoantsika. Resaka fanekena. Zay ny fahatsaran'Andriamanitra dia nanomezany ianao ny teny, ity teny ity voangona ao anatin'ny teny folo, na izay atao hoe didy folo. Tsy didy moa io fa teny velona, teny velona folo io tenin'Andriamanitra io. Eo ny fahatsarana, ny fitiavany ianao tahaka ny anak'Andriamaso, sarobidy, rakitra soa, ka nome ny teny. Izay tsy manana ny teny a dia tahaka ny biby. Oui, en fait il vaut mieux avoir des paroles claires, simples. C'est parce que Dieu est bon et lui seul est bon, et dans sa bonté, dans sa compassion, il nous a donné ses commandements. À travers ses commandements, nous pouvons le connaître. À travers ses commandements, nous pouvons être en communion avec lui. À travers ses commandements, nous pouvons recevoir toutes les bénédictions qu'il a réservées pour nous. Et voilà la bonté de Dieu. Et Jésus va énumérer quelques-uns de ses commandements. Et on remarque que ce qu'il énumère, eh bien, ça concerne la relation avec le prochain. Si on a mis des réglages à ces sociétés, vite, vite, arrivons vite, vite, tout le monde, des pièces qui nous font des choses, amni afa. Izay azo bangoina araka ny tenenin'ny apôstôly Paoly hoe azo tsorona amin'ny fehezan'ny fohy hoe tiavany tenanao, tiavany namanao tahaka ny tenanao. Izay le aza magalatra, aza manao honore ton père et ta mère. Excusez-moi, je parle français. Ne commets pas d'adultère. Tout cela, on peut
Pour le résumer, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc c'est la deuxième partie que Jésus donne. Pourquoi rien que la deuxième partie? Parce qu'il a déjà parlé de Dieu. Il a déjà mis Dieu au centre en disant que lui seul est bon. Tout par-delà. Il faut bien comprendre quand on lit les Écritures, hein, quand on dit quelque chose, eh bien c'est ça, il faut déjà méditer cela et tout par-delà. Et ce qu'il dit, tout ce qu'il énumère, ça part de Dieu seul est bon. Alors, voilà la bonté de Dieu. Une manière pour Jésus de dire, eh bien, oui, toi tu es juif, tu as reçu ses commandements, eh bien, mais tu as tout pour pouvoir hériter de la vie éternelle. La bonté de Dieu, c'est de te donner tout ce qu'il faut. Eh bien, tu l'as. Tu as déjà tout en main, c'est le guide. C'est le guide, oui, mais rien qu'un guide. Le jeune homme va dire, mais oui, moi j'ai observé tout cela. Quand il dit cela, il dit la vérité, ce n'est pas de l'orgueil. Ça doit être quelqu'un de pieux, cet homme-là. Et d'ailleurs, s'il n'était pas pieux, il ne poserait pas cette question. Et Jésus, qui connaît le cœur de chacun, voit vraiment le cœur de cet homme. Et voilà pourquoi Marc souligne, et c'est seulement dans Marc, dans Luc et dans Matthieu, il n'y a pas cette phrase, « Jésus le regarda et l'aima ». Zeshos diama fatatan fun tsreyav fatan fun tileilaiti itileilam lazawe en rodibero de apia. Si tsheun fafilazama ni fieno antia zeshos diama fatatis mandintan fusen vous. Non fitiavana ny dinana tety ambony tany, non fitiavana no anatanterahany ny famonjena, ny fitiavany no aneke ny hijaly sy ho faty amin'ny toeran'ny mpanota. Ka Jesosy dia tia an'ity lehilahy ity hamonjy, hanolotra ny ainy ho an'ity lehilahy ity. Tianao Jesosy. Mijery ianao izy ka tianao ary ny fitiavany dia maharitra mandrakizay, ny fitiavany dia tsy fihetse-po, ny fitiavany dia asa fakana amin'ny toeranao, asa fifonana ataonao anao, asa fanomezany ianao ny ainy, famelan-keloka, fienona ny vavakao, famaliana izany vavaka izany, mihoatra izay eritreretinao, asa daholo izany. Izay ny fitiavan'i Jesosy. Ary satria moa fanekena, miainao anatin'ny fanekena, dia ao anatina fanekena olona roa, misy engagement ataon'ny anankiray any, dia engagement ataon'ny anankiray. Ny engagement de Jesosy dia arak'izay manolotra ny ainy, voalaza ataon'ny marika banky tokana hoe
tiavan Jesus, tin Jesus, j'ai un engagement de Jesus. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Voilà l'engagement de Jésus. Lorsque vous lisez la Bible, il ne faut jamais oublier ce contexte de l'Alliance. Quand vous faites quelque chose, le culte, c'est dans le contexte de l'Alliance. Les études bibliques, c'est dans le contexte de l'Alliance. Tout est dans le contexte de l'Alliance. Sinon, ça n'a pas de sens. Et ici, Jésus fait son engagement. Et alors, il propose à l'autre de rentrer, de s'engager aussi dans cette alliance. C'est pour cela qu'il va dire, il te manque une seule chose. Ta part, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Voilà ta part. Ma part, moi, je la fais. La chose qui manque, eh bien là, tout ce que l'on vient de dire, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. En fait, ce sont les exigences pour être disciples. Oui, tu suis tous ces commandements, il te manque une chose, c'est d'être mon disciple. J'avais déjà dit à Lille, ce que Jésus cherche, ce sont des disciples. Voilà ce qu'il veut. Une église de disciples. Piana chanta tiavan Jesus. Kaizenu a proposeni antile elati. Ma non yantaran Jesus o natinu stiavanu di a turn di lalan. Ma fantile elati, miarakam o natin sanfane kena di san. Mitra o pianeta. Ari amona infidela no pianeta de miala amize rehetra ni fikirana. Izay no rehetra no everina hoe io no soa, io no mahasoa. Izay rehetra no everina hoe io no manandanja. Miala amizay. Fa de mifikitra amin'i Jesosy. Zay vao afaka miditra o pianeta. C'est nous à faire un oué, mais toi et toi on a tenu fané qu'une. Mais bien ensemble, tu as vendu ces choses ici. Ardiono, Hans, tu as même ces choses antiles là ici. Assez on est ensemble, tu as vendu ces choses, j'en ai eu un tu. Ar, ici tu as rien. Ça me vaut Hans tout. Zegny any amin'i Jesosy ny fitiavany anao, antsony ianao hanaraka azy. Ary tsy afaka manaraka azy, zay tio ny fitiavan'i Jesosy, aseho ny ahoana ny manaraka azy, miala. Miala amin'izay fikiranao, amin'izay eritreretinao, io no ahafahanao miankina. Aoka, izaho rery no iankinanao, izaho no antenainao, izaho no jerenao. Zay ny dikany hoe, amidio, izay anananao. Izay no heverinao, fanananao. Tsika teo mbola miresaka teo. Izay heverinao, amidio. Ne t'attache pas à cela. Donner aux pauvres, c'est faire des actes de compassion. Voilà le sens de donner aux pauvres. Et dans d'autres, voilà, dans d'autres évangiles, c'est cela, et fait des actes de compassion. La personne qui peut faire des actes de compassion, c'est parce qu'elle ne s'attache pas. Et le témoignage que nous avons vu là du président Roland, ben, cette femme, voilà quelqu'un qui ne s'attache pas à ses biens. Viens et suis-moi. En faisant ça, tu auras un trésor au ciel. Cet homme avait parlé de vie éternelle. Et voilà, Jésus lui propose un trésor au ciel. Avec, dans ce mot-là, quand il dit trésor au ciel, eh bien, il parle à la fois de vie éternelle, mais on y voit déjà à travers cela, tu vis déjà sur cette terre. Tu as un trésor au ciel, tu es encore sur cette terre.
mais tu as un trésor au ciel. Si tu as un trésor au ciel, c'est que tu l'as aussi, ici. Tu peux vivre de ce bien, de ce trésor, ici. Ramanara kamzisusheno, ratsin fiktam zei evirno, tsara amundiano, hanafakano, hanifasambaranano, diamanana rakta sua, anindamta ilano. Zei nyantzitsika ary nivavaka ny apostoliko manao hoe mba ho sokafan'Andriamanitra no masom-panahinareo ahitanareo ny atsara ny lova izay le rakitra soa azonao iainana dimbeto. Que le Seigneur ouvre les yeux de votre cœur pour que vous voyez la richesse de la grâce, de l'héritage qu'il vous donne. Et la question, est-ce que tu le vois déjà? Est-ce que tu vois l'héritage que Dieu t'a donné? Si tu ne le vois pas encore, demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux. Peut-être que tu t'attaches encore à certaines choses. C'est ce qui t'empêche de voir cet héritage. C'est ce qui t'empêche de vivre cet héritage. Zenyantsu omen Jesosy antsika. Ankehitriny tsika mankalaza ny fahaenimpolo taona amin'ny FM. Izao no fotoana atsapatsika, tokony atsapatsika ny fitiavan'i Jesosy antsika. Izao no fotoana tokony ahenontsika ny antso, anarahantsika azy, anaovantsika ny tri hoe inona ny mbola fikirana, inona ny mbola fikirako aloha za inona dia avy eo inona ny fikiratsika. Jesosy ve sa zavatra hafa? Raha ny amin'ity lehilahy ity dia hita hoe tsy hitan'ilay lova, tsy hitan'ilay lova ka dia voilà, il n'a pas vu l'héritage, alors il s'assombrit et il s'en alla tout triste. Une vocation ratée. Aujourd'hui, cet appel, Jésus la formule encore pour son Église, la FPMA, et quand il formule pour l'Église, il la formule pour chacun personnellement. C'est la manière de Dieu. Quand il s'adresse à son peuple, il dit, écoute Israël, tu aimeras ton Dieu. Écoute Israël, oui, c'est son peuple Israël, mais quand il dit cela, c'est tout Israélite qui doit prendre cela personnellement. Alors l'appel, là, c'est pour la FPMA, mais tu dois le prendre aussi personnellement. Est-ce que tu vas répondre à la vocation ou est-ce que tu vas être tout triste? En ce qui concerne Dieu, c'est son désir. Ranfanirinandemante, C'est la vision de Dieu pour son peuple, pour son Église. Il parle de fils, il parle de nation. Oui, fils, c'est Israël. Alors, il parle à Israël. Israël, c'est toi qui vas rebâtir. C'est toi, lève-toi, ta lumière arrive. Mais en même temps, dans cette prophétie, il parle de nations, c'est-à-dire les non-juifs, et il les incorpore. Et qu'est-ce qu'il va rebâtir? Les étrangers, les non-juifs vont rebâtir.
Et c'est toi, c'est moi. Comme il appelle les fils d'Isaac, de Jacob, d'Israël, il t'appelle toi, pour que tu reconstruises, pour que tu sois aussi celui qui rebâtit, celui qui suit. Et Jésus, c'est quelqu'un qui bâtit, qui rebâtit. Missia Samyan de Nefema. Mission. En demandant tout une mission, Is manana nyeven, mis naratatin yato, famian sur lisi yara, yaka yasam, desenyantunti, isayati, kamitsangan. Faye fazavano, tesos tunga onom yaswano, bayara hanom yasam. Famia sam de boulam verna marcandre, tiafaka, mitundan zo reheta zo tutu zo yanom yaraka yasam. Kadia, Zenf Toman, Antun Sesosi, Wan Tsitja, FPMA, Anu, Ari Tiatin Tsitjafa, Tia Tsitja Sesosi, Arakan Volaza Omni, Mark Tukfafulu Antin Farekam Ropu, Arzan Tiavan Zandia, Antraterni Farai Masni Apostol Paul et Smissi, Afakaman Nassar, Antitam Sanf Tiavan Andreman Taisan. Yuftiavanum ma Pahirano, Afarnom Yaram Yasan Tesos, Afarnom Anatantera Kazan, Communion Mission. Si à ton téléphone, mais il faut se lever, il faut annoncer la parole, il faut rebâtir. Ce monde, il est tout détruit. Moi, je ne sais pas. Est-ce que vous vivez dans ce monde bien? Mais il est détruit. On a besoin de toi pour rebâtir. Et tu rebâtis avec la parole de Dieu. Mais si tu ne la connais pas, qu'est-ce que tu vas faire? Car nous y sommes à faire si tu as ma mère dans ces choses. Déoka, Hanmeja Falimi Pana, Nate Namulena. Ils aiment ma montre de Fanavitsitja. Ariou de Isanandu, Fanekena, Nate Isanandu. Armangata Kan Falimi Pana. You Falimi Pana, you Afana Mandrai Nate. Cette douceur, c'est pas le fait de dire des mots doux, c'est pas ça. Cette douceur, c'est la douceur de Christ. Jésus dit, je suis doux. Mais regardez l'œuvre de Christ. Œuvre de force, de puissance. Moïse est doux. Mais regardez l'œuvre de Moïse. Et il est dit aussi de l'apôtre Paul qu'il est doux. Mais lisez ces lettres. Voilà la douceur que Jésus veut que tu aies. C'est une douceur qui te donne un cœur qui accepte, qui te donne un cœur de disciple. Douceur vis-à-vis de Dieu, ça veut dire pas de rébellion vis-à-vis de Dieu, pas de doute vis-à-vis de Dieu, pas de désir de prendre la place de Dieu. Et souvent dans les églises, il y a trop de ça. Mangata kan fana imasu ni sitia, anmea sitia izani, fu, fen fale ni pana izani. Afa sitia, ma manre nyansu, mana tantera kan nyansu nse sosi. Se sosi tumpu nye kina sitia.